La princesse. As-tu de bonnes nouvelles à m'apprendre? Non, maître. Morte? Elle dort toujours. Tu t'es conformé à mes ordres? Oui, maître. Et cet aveugle? On l'a retrouvé. L'aumône pour l'amour d'Allah. L'aumône pour l'amour d'Allah. L'aumône pour l'amour d'Allah. L'aumône pour l'amour d'Allah. Quoi? Ton chien aboie? Fameux remerciement pour la charité. Quand la charité est fausse comme cette pièce. Alors tu triches, fils et petit-fils de faussaire. Un aveugle ne discerne pas le vrai du faux. Je ne distingue pas le jour de la nuit. Mon chien le peut. Un chien discerne-t-il le vrai du faux? Vois par toi-même. Par tous les miracles d'Allah. C'est en effet une pièce fausse, et je ne m'en étais pas aperçu. Voyons, arroseur de tronc d'arbre. Montre-moi quelle est la pièce fausse. Hein? Oh, ce n'est pas un chien, mais la réincarnation d'un vieil usurier. Allah donna des yeux qui voient afin de les combler de beauté et de joie. Pensez à moi pour qui aucun soleil ne luit dans la cité de l'éternelle nuit. Amène-moi. Prie pour moi. Mon nom est Halima. Je ne vous connais pas. Connaît-on toujours ses amis? Je sais que je n'en ai point. Aie confiance en celle qui t'offre non des paroles, mais des actes. Dans ma maison, tu trouveras le vivre, le couvert. Et ce qui est à moi est à toi. Pourquoi m'offres-tu tout cela? Pour tes prières. C'est beaucoup pour bien peu. Prends ma main. C'est inutile. Mon chien voit pour moi. Il me donne plus qu'il ne pourra jamais recevoir, comme tous les chiens. Sommeil dont les causes m'échappent. Je ne sais qu'une chose. Quand l'aveugle viendra vers elle, elle guérira. C'est étrange qu'il puisse réussir là où tout votre pouvoir échoue. Il la guérira et ensuite je chasserai. Mais elle aime cet aveugle maître. Appelles-tu amour le balbutiement de deux enfants dans un jardin? L'amour, c'est pour elle l'inconnu. Et c'est moi qui le lui révélerai. Mendiant aveugle. Et encore plus infortuné qu'il ne croit. Cela ne peut être. Mais nous ne sommes pas voilés. Et moi, je suis voilé. Dis-nous ton nom. Amad. Amad? Amad, tu ne m'en diras plus. Ni une vagabonde. Tu resteras ici avec nous. Ô souveraine de toute suavité, je suis sûr que vous êtes très belle. Mais pour moi, il n'est pas de repos. Je repars à la poursuite de la bien-aimée que j'ai perdue. Les hommes doués de la vue errent souvent toute leur vie sans parvenir à la trouver. Reste. Il y a ici de grands médecins qui peuvent guérir ta cécité. Ce serait le jour le plus sombre de toute ma vie. Tu parles par énigme. Je vais vous en donner la clé. Écoutez. Il y avait une fois un calife, fils de calife et descendant de calife. Aux sujets innombrables, aux richesses fabuleuses, au pouvoir absolu. Et ce chien n'était pas un chien, mais un adolescent qui vivait à Bagdad et gagna la tendresse du calife.
Pourtant, ce temps-là, il n'était rien qu'un petit voleur. Pourquoi renifles-tu mes poissons, maître escamoteur? Attends, attends! J'appelle les chaouches du caddie. Et... ce potentat. J'avais 365 épouses dans mon harem, mais mon cœur ignorait l'amour. 50 palais ne me donnaient pas un foyer. Plus riche que tous mes sujets, j'étais le plus pauvre d'entre les pauvres. Chacun de mes désirs satisfait, et je ne connaissais plus le désir. Et dans tout mon vaste royaume, rien qui occupât mes loisirs. Ni projet, ni travail, ni péché. Car toujours mon grand désir Jafar s'interposait entre moi et mon peuple. Encore une exécution. Pourquoi faire mourir cet homme? Il se permettait de penser, monseigneur et maître. Est-ce donc un crime de penser? Chez un sujet, c'est un crime impardonnable. Ne règne-t-on sur les hommes que par la frayeur? Les hommes sont vils. La haine emplit leur regard, le mensonge est sur leurs lèvres, la trahison dans leur cœur. Vous apprendrez un jour, grand calife, qu'il y a seulement trois choses que les hommes respectent. Le fouet qui s'abat, le joug qui brise et le sabre qui tue. Par leur pouvoir, la terreur qu'ils imposent, pourrait conquérir le monde. Ai-je envie de conquérir le monde? Que voulez-vous, mon illustre maître? Je pensais tenter de leur donner le bonheur. Le bonheur? Ce sont des fous et des coquins. Votre ancêtre le savait, et si vous voulez vous en assurer, faites ce qu'il fit. Une nuit, sous le voile des ténèbres, quittez votre palais, allez parmi votre peuple, mêlez-vous à la foule, entrez dans de nombreuses maisons. Écoutez, observez et souvenez-vous. Cette nuit, Jafar. Cette nuit, mon roi. Voici votre peuple, maître. Je ne les ai jamais vus de si près. Écoutez, observez, souvenez-vous. Il est dit,
Bien qu'Allah soit plus sage et miséricordieux, qu'il y eut dans le passé le plus reculé, un roi parmi les rois, grand maître des armes et des armées, des nassaux et de tous ses alliés. Et ce maître du temps et du peuple les opprimait tous deux, et la terre était comme de la poix sur le visage de ses sujets et de ses esclaves. De qui parle-t-il? Quoi? Je l'ignore. Est-ce au calife qu'il fait ainsi allusion? Ne posez pas de questions. Il y a des espions partout. Il faut être prudent à Bagdad. Je suis un étranger ici. Sûrement vous pouvez m'expliquer de quoi parle ce vieillard. Ou d'espoirs insensés. Il rappelle une prophétie annonçant un libérateur. Seuls les fous et les enfants peuvent y croire. Un libérateur, vraiment. Pas tant qu'Ahmad sera calife. Et ils gémissaient ensemble en secret et étaient mis à mort sur la place du marché. Mais le plus sage parmi les sages de Bagdad les consolait avec une prophétie disant « Quand les temps seront mûrs, un libérateur descendra parmi vous et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Il sera le plus humble entre les humbles et vous le chercherez parmi les nuages. » Et le peuple s'écria « C'est bien dans les nuages qu'il faudra le chercher. Car si les grands de ce monde sont impuissants à nous délivrer de ce tyran, comment un homme de rien le fera-t-il ? » Et celui qui savait lire dans les étoiles répondit « Ayez la foi. » Croyez en Allah, car un beau jour, dans l'azur, vous verrez un jeune garçon, le plus humble entre les humbles, monter sur un nuage. Mais le nuage sera aussi solide que les collines sous la neige. Et des frontières de la voûte céleste, il transpercera le tyran avec la flèche de la justice. Quel est le nom de ce tyran? Ahmad. 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 Je souhaite que le miracle se produise aujourd'hui. Je souhaite qu'il meure aujourd'hui. Arrêtez-le. Jetez-le en prison. Quand il dira « Je suis le calife », répondez-lui qu'il est démon. Tous ceux qui lui demeureraient fidèles doivent disparaître. J'appris cette nuit-là, non que les hommes sont perfides, mais que Jafar était perfide. Quand il me persuadait de me mêler au peuple, il me tendait un guet-apens. Je fus jeté dans une prison. Et c'est là, en prison, que ma vie commença. Car c'est là que je rencontrai celui qui devait devenir mon seul ami fidèle. Abou, le petit voleur de Bagdad. Car seuls les voleurs sans envergure sont jetés en prison. Non, pitié, non, pas en prison. Ne me mettez pas en prison, non. Vermine, voleur, on te coupera le bras droit, et puis le gauche, et la jambe gauche, et puis la droite, et la tête. Non, 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 je vous en prie, pitié, non, je vous en prie, ne me tuez pas. Je ne veux pas mourir. Tu mourras demain matin. Et quant à cet aliéné, notre grand sultan Jafar est miséricordieux. On ne lui tranchera que la tête, au lever du soleil. Non, non, oh non, 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 non. Pauvre garçon, ces brutes t'ont rendu fou. Moi, fou? Ils viennent de dire que c'est toi qui es fou. Es-tu réellement fou? C'est cela. Je suis fou. Il faut que je sois fou. Le plus fou de tous les fous qui ont jamais vécu dans le palais du sultan. Oh, tu es fou, vraiment fou. Quelle importance cela a-t-il? Demain matin, à moins que le soleil ne s'immobilise et ne se lève plus jamais, nous mourrons. Le voleur et le démon. Et je ne veux pas mourir. Tu n'es pas fou? Et peut-être verrons-nous le soleil se lever au-dessus de la rivière. N'as-tu pas entendu le geôlier? Au lever du soleil. Au lever du soleil? Nous prendrons un bateau et voguerons jusqu'à la mer. Je n'ai jamais vu la mer. Mais j'ai entendu les marins, au bord de la rivière, en parler. On y voit des poissons aussi gros que la mosquée. Et d'autres, aussi minuscules que mon petit doigt, avec des ailes. Et des bateaux, grands comme Bagdad elle-même, avec des voiles, larges comme des nuages. Quand le vent souffle, ils sont aussi rapides que l'antilope et vous emportent vers les îles des Indes et de la Chine. Les îles des Indes et de la Chine. Mais nous sommes en prison. La hache tombera au lever du soleil. Et tu dis que tu n'es pas fou. Regarde,
Qu'est-ce que c'est? La clé de notre cachot, je l'ai volée. La clé? Donne-la-moi. Attends, attends. Tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi, ce n'est pas le moment. Et pourquoi? Il faut attendre. Dans une heure, ils vont manger. Ensuite, ils dormiront et nous partirons. Tiens, prends cette pagaie. Donne-moi ce filin. Attends-nous de nous enfuir. Veux-tu nous voir décapités? T'imagines-tu qu'ils auront pitié de nous? Si le calife savait nos malheurs, ne nous ferait-il pas grâce? Le calife était un sot. J'espère qu'il souffre autant qu'il a obligé son peuple à souffrir. Tu le hais à ce point? Tout le monde le haïssait. Oh, si seulement il pouvait me tomber entre les mains, rien qu'une fois, si je pouvais lui dire quelle folie a été la sienne. Dis-le donc. Je suis Ahmad le calife. Parle. Ahmad le calife est mort. Il est mort hier soir. Nous avons un nouveau calife, Jafar. Regarde! Jafar ne se donnerait pas tant de mal pour me prendre. Il n'aurait pas lancé toute sa garde à mes trousses. Pitié, mon maître, je suis votre esclave. Laissez-moi au moins un bras pour de menus larcins. Et je vous paierai le double en impôts. Comment te nommes-tu? Je suis Abou le voleur, fils d'Abou le voleur, petit-fils d'Abou le voleur, le plus infortuné de 10 frères et sœurs, affligé d'un appétit jamais rassasié. Lève-toi, mon petit ami. Il faut rentrer à Bagdad. Comment peux-tu être aussi sot? Je veux dire, calife, nous serons tués. Un calife mort et un voleur mort ne sont plus bons à grand-chose. Si tes doigts sont aussi agiles que ton cerveau, tu es vraiment le prince des voleurs. Venez, profitons de cette petite brise, elle nous emportera vers la liberté. La liberté? C'est étrange, j'ai eu tout sauf la liberté. Et moi, je n'ai jamais rien eu, que la liberté. Maintenant que nous l'avons, comment allons-nous en jouir? Comme il vous plaira. Dans 3 jours, nous serons à Bassora. Tenez, prenez cette gaffe. Poussez. To be a sailor sailing out to sea, no plough or tinker tailor's any fun to be. Aunts and cousins by the baker's dozens, driver men to sea or highway robbery. I want to be a bandit, can't you understand it? Sailing to sea is life for me, is life for me. Abou, Bassora! Bassora! Comme cette ville paraît belle. Comme elle sent bon, surtout. Des crêpes. Seulement une. Non. Voyons, attendez un peu. Qui a jamais pensé manger des crêpes sans miel dessus? Mais où peux-tu voler du miel? Allah nous a donné les crêpes. Il nous procurera le miel. Bon miel, bon miel, bon miel, bon miel. En voulez-vous? Oui, nous songeons à en acheter un peu. Une jarre ou deux? Une jarre?
S'il est bon, le meilleur de Bassora. C'est facile à dire, mais il nous faut le goûter. Regardez s'il est beau. J'en ai mangé de meilleur. Qu'en pensez-vous? Non. Non, il n'est pas fameux. Non. Tes abeilles ne sont pas de bonne humeur. Hein? Prends-en bien soin. Attends, attends, tu veux voir, petit misérable. Dites-moi, qui habite ce palais? C'est le palais du sultan. Prodige d'ignorance. Le palais aux 40 000 jouets. Jouets? D'où sortez-vous donc? Pauvre mendiant dénué d'importance. Le sultan possède la plus grande collection de jouets qui soit au monde. Pourquoi les jouets? Le sultan est un vieillard. Et les vieillards sont comme les enfants. Il garde ses jouets plus jalousement qu'il ne garde sa fille. Mais je n'en dirai pas plus. Passez votre chemin, misérable mangeoire à puce. Allah soit avec vous, mais j'en doute fort. Parler. La princesse approche. Pourquoi est-ce que tout le monde se sauve? La garde est mise à mort. À mort? Pourquoi? Aucun homme ne la verra avant que son père ait accordé sa main en mariage. Et quel don s'il est? Sa beauté éclipse le soleil et la lune. Attends! Attends! Ah, lâchez-moi! Cachons-nous, Boudon! Là-haut! Ta faim sera cause de notre mort. On peut aussi mourir de faim. À vous, ils approchent. Il faut que je la revoie. Mais j'ai rencontré Sinbad le marin et il nous a gardé deux places sur son bateau. C'est plus merveilleux que je ne l'aurais imaginé. Et il appareille à la marée prochaine. Il faut que je la revoie. Je ne peux pas partir. Mais Ahmad,
Toute ma vie, j'ai rêvé de voguer sur un grand navire à travers les mers. Il faut que je la revoie. Je ne peux pas partir. Et si je vous aide à la revoir, viendrez-vous ensuite avec moi? C'est promis. La musique d'un chant d'amour est plus étouffante que l'air du désert. Attendons le rossignol et la nuit. Allons nous baigner. Je vous fais peur? Oui, affreusement. Alors, pourquoi ne fuyez-vous pas? Je veux regarder. Je n'ai jamais vu de génie auparavant. Regardez bien. Et souvenez-vous qu'à un génie, il faut toujours dire la vérité. Vous n'avez pas l'air méchant. Êtes-vous un bon génie? Pas trop bon. Les trop bons génies sont tout aussi ennuyeux que les hommes trop sages. Vivez-vous au fond de l'eau? Non. Pourquoi êtes-vous venu? Pour vous voir. Mais j'allais me baigner. Je vous attends. Me baigner en votre présence? Alors donnez-moi la main. Donnez-la-moi dans l'eau. Oh, génie, vous êtes parti. Je ne voulais pas vous faire disparaître. Est-ce que je ne vous reverrai plus jamais? Jamais. Ne soyez pas effrayé. Je ne suis pas un génie. Qui êtes-vous? Votre esclave. D'où venez-vous donc? Je viens du fond des âges pour vous trouver. Depuis quand me cherchez-vous? Depuis le commencement des temps. Maintenant que vous m'avez trouvé, combien de temps resterez-vous? Jusqu'à la fin des temps. Pour moi, il ne peut plus y avoir d'autre beauté au monde que la vôtre. Pour moi, il ne peut plus y avoir d'autre joie au monde. Que celle de vous plaire.
serez-vous ici dans le jardin demain, à la même heure? Il y a un jardinier ici qui veille nuit et jour. Son nom est la mort. Il ne faut pas venir. Défendez-le-moi. Je ne peux vous le défendre. À demain. Et à tous les lendemains. L'avez-vous vu? Je l'ai vu. Bon, alors nous pouvons partir avec Sinbad ce soir. Non, Abou, je ne peux pas partir. Pourquoi pas, puisque vous l'avez revu? C'est pourquoi je ne puis partir. Parce que je l'ai revu. Fort bien. Alors, je partirai seul. Si vous retournez là-bas demain, comment passerez-vous le poste de garde sans que je vous vienne en aide? Oh, je trouverai un moyen. Vous vous ferez prendre. Tu restes avec moi? Oh, Abou, pourquoi te sacrifier? Tu as dans l'âme un désir aussi fort que le mien. Pourquoi veux-tu rester avec moi? Parce que je suis sans doute aussi fou que vous. Fontaine d'hospitalité. Vous savez que j'ai la plus belle collection de jouets mécaniques que l'on puisse trouver dans le monde entier. Celui-ci est le plus remarquable de tous. Il indique l'heure. Voyez comme il fonctionne. De la pure magie, n'est-ce pas? J'espère que ce dangereux engin n'est pas destiné à tomber entre les mains du peuple. Dangereux? Oui. Si jamais les gens sont capables de mesurer le temps, ils refuseront de vous appeler le maître du temps. Ils voudront savoir à quoi vous passez votre temps. Oh, vous avez raison. Oh, le peuple ne doit jamais savoir. Regardez. Vous devez voir. Quelle habileté. Quelle précision et quelle sécurité. Oh, comme je préfère ces jouets à mes sujets. Voyez. Tenez, non, je crois que le plus beau de tous, c'est celui-ci. Il me suffit de tourner une clé ou de presser sur un ressort, et ils font exactement la même chose chaque fois. Exactement ce que je veux. Et bien souvent, mes sujets ne font pas exactement ce que je veux et ça m'oblige à leur faire couper la tête. Votre collection est réellement magnifique et bien près d'être complète. Près d'être complète? Je vous ferai remarquer que ma collection est la plus complètement complète. Je vous en prie, ne vous méprenez pas. Je me rends très bien compte que rien en dehors d'un miracle ne pourrait ajouter des classes au déploiement déjà éblouissant. Mais je sais qu'un tel miracle peut exister. Un automate qui soit plus beau qu'aucun des miens. Connaissant votre intérêt pour ce genre d'objet, je l'ai apporté avec moi. Alors où est-il? Montre-le-moi vite, tout de suite. Oh, je ne peux pas supporter qu'on me fasse attendre. Palpitant.
Votre Altesse veut le remonter elle-même. Moi ? Je me demande ce qu'il va faire. Remuer les jambes, ou tendre le cou, ou bien agiter la queue, hein ? Il ne me rue pas, j'espère. Pour vous parler sans détour, je suis toujours assez nerveux devant ses jouets jusqu'à ce que je sache comment il fonctionne, jusqu'à ce que j'y sois habitué. Ah. Leur sort est dur. Si votre Altesse veut bien monter. Et puis ? Serrer les rênes. C'est à vous. Et je ne vous demande qu'une seule grâce en retour. Ce que vous voudrez. Votre fille. Ma fille ? Oh, mais c'est vraiment très embarrassant. Et pourquoi le voulez-vous, ma fille ? Il faut que je fonde une dynastie. Oh, oui. Je comprends parfaitement que vous songiez à fonder une dynastie. Délicieuse occupation. J'ai essayé moi-même. À plusieurs reprises. Et que j'ai obtenu une seule fille. Oh, le digne rejeton d'une mère défavorisée par la nature. Tes yeux sucrèles, ils ont toujours l'air d'être prêts à se jeter là sur l'eau. Tes yeux sont des sources exquises de félicité. Ses sourcils sont pareils au croissant de la lune au soir du ramadan. Son corps est droit comme le bouleau argenté. Qu'en savez-vous ? J'ai eu le plaisir de la voir. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. Où ? Dans mon cristal. Oh, votre boule de cristal ? Votre boule de cristal ? J'ai toujours détesté ces objets. Êtes-vous magicien ? J'ai quelques talents. Oh, ne dites pas un mot de plus. Mais enfin, il faut que j'aie ce cheval. Donc je suppose qu'il faut que vous ayez ma fille. Je ne l'épouserai jamais. J'aime mieux mourir. Je vais me cacher chez ma sœur qui est mariée au sultan de Samarcande. Elle saura veiller sur moi. Retourne au jardin. Tu y trouveras un jeune homme, celui que nous avions pris pour le génie de l'étang. Fais-lui part de nos malheurs et dis-lui que je l'attendrai à Samarcande. Oui, princesse. Demeure introuvable. Elle a disparu. Nous avons fouillé tout le jardin. Nous n'y avons trouvé que deux mendiants. Qu'on les amène. Garde ! Amenez-les !
Jafar! Jafar! Enfin! Face à face, d'homme à homme, corps à corps, qu'on me donne une épée! Allah sera juge! Grand sultan, je dis la vérité, mes yeux en sont témoins! Combat! Je vais vous dire qui est cet homme. Et celui-ci. Écoutez, bonnes gens. Fils de chien. Par la vertu de mes sortilèges, prends la forme de tes pères et aboie la lune. Chien. Et toi, tu marcheras dans les ténèbres des aveugles jusqu'à ce que je tienne ma bien-aimée dans mes bras. Maintenant, dispensatrice de largesse, vous savez pourquoi un aveugle avec son chien cherche dans le monde son amour perdu, sans grand espoir. Pourtant, sans espoir, il ne lui resterait rien. Mais Allah est compatissant. Allah est compatissant, en vérité, car celle que tu cherches est ici. Si vous vous moquez, Allah ne le pardonnera pas. Je ne me moque pas. Ta princesse a été capturée par des pirates et vendue ici, à notre marché d'esclaves. Le plus riche marchand de la ville l'a achetée. Mais aussitôt arrivée dans sa demeure, elle a sombré dans un étrange sommeil. Elle vit, mais elle est comme morte. Aucun médecin ne peut la guérir. Nuit et jour, elle ne cesse d'appeler le génie de l'étang. Je suis ce génie. Toi seul peux la ramener à la vie. Conduisez-moi auprès d'elle. Reverrai-je donc plus jamais? Jamais. Venez-moi jusqu'à elle. Pourquoi êtes-vous venu? Pour vous trouver. Depuis quand me cherchez-vous? Depuis le commencement des temps. Maintenant que vous êtes là, jusqu'à quand resterez-vous? Jusqu'à la fin des temps. Le rêve. Mon rêve. Toujours le même rêve. Ce n'est pas un rêve. Ahmad. Finissons cette comédie. Ne me regardez pas ainsi. La souffrance a laissé des traces. Pour moi, votre beauté sera toujours aussi radieuse qu'au premier jour. Elle ne peut changer. Vos yeux, ils sont étranges. Si lourds de peine. On ne peut traverser le feu sans se faire brûler. Ahmad, il faut partir. Le maître est revenu. Je vais te cacher. Quand le maître dormira dans la chaleur de midi, la princesse viendra vers toi. Tais-toi.
Désormais, tu n'es plus seulement à moi. Tu appartiens à la princesse aussi. Reste et garde-la à ma place. Malheureux. Il est aveugle. Il est en votre pouvoir de lui rendre la vue. Il y a dans cette ville un célèbre médecin qui, à votre requête, le guérirait. Conduis-moi. Le médecin se trouve-t-il ici, sur ce navire? Oui, il attend votre venue. Oh. Déplaisant à enfant face à un chien acceptable. Jette-le par-dessus bord. Soyez la bienvenue. Jafar. Oui, Jafar. C'est toujours Jafar. Depuis que vous avez quitté votre palais, je veille sur votre sécurité. Quand vous erriez à cheval, perdu dans le désert, qui vous a guidé? Quand on vous a vendu au marché d'esclaves, qui vous a acheté? Toujours Jafar. C'est dans ma propre maison qu'on a pris soin de vous pour que dans votre sommeil, vous rêviez jusqu'à son terme. Votre premier rêve d'amour. Et c'est moi qui vous ai réveillé. Non. C'est Ahmad. Mais on m'a dit qu'il y avait ici un médecin qui pourrait lui rendre la vue. Mais je suis ce médecin. Dans mes bras, Ahmad retrouvera la lumière. Prenez-moi dans vos bras. Thank you.
Ahmad ! Ahmad ! Est-ce que tu y vois ? Je suis redevenu moi-même. À vous ! Abou, Abou, où est-elle? Elle est avec Jafar, sur le bateau. À quoi me servent mes yeux sans elle? N'est-il rien au monde pour toi, sans elle? Non, rien. Forcer à me céder. Et je ne veux plus qu'il ne peut me donner. Je veux votre amour. Oubliez Ahmad. Il n'est plus aveugle. Et pour un homme doué de la vue, le monde regorge de femmes. Moi seul suis maudit qui ne peut voir que vous. Vouloir mettre un terme à votre vie avant qu'elle ait commencé. Je vous dis qu'Ahmad vous a oublié. Regardez. C'est Ahmad. Thank you.
refusez-vous d'obéir à votre destinée? Vous agissez comme une esclave. Je suis une esclave. Vous pourriez commander? Essayez. Dites ce que vous voulez. Voulez-vous me ramener à Bassora? Timonier! Cap sur Bassora! C'est devenu un lieu de désolation. Pour moi, c'est le jardin le plus enchanteur du monde. S'il a jamais contenu des fleurs, elles ont disparu comme un mirage. Les herbes ont tant envahi l'étang qu'on ne peut voir s'y refléter sa propre image. Ce n'est pas ma propre image que je cherche. Mon père, je ne veux pas aller à Bagdad avec Jafar. Mais ma fille... Ne le laissez pas m'emmener. Je vous en prie. Oh là 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 là. Eh bien, si tu ne veux pas aller à Bagdad avec moi, tu n'iras pas. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais tant que je vivrai. Là là. Dernier jouet magique, la statue d'argent. Autre chose encore? Elle s'est embrassée. Mais chacune de mes femmes en fait autant. Son étreinte vous transportera comme aucune mortelle ne l'a fait. Ou ne le fera. Voulez-vous dire que je pourrais répudier toutes mes épouses et faire une collection de ses jouets? Chatouille.
Je repars pour Bagdad. Salomon, maître de tous les génies, m'a emprisonné dans le fond de cette bouteille. Pour moi, c'est le premier instant de ma liberté retrouvée. Pour toi, c'est le dernier instant de ta vie. Ma vie? Ta vie. Dans une seconde, je vais lever le pied et t'écraser. Insecte, blade, pauvre ver de terre. Mes chefs des esprits, je vous ai repêché hors de l'océan. J'ai ouvert votre bouteille, je vous ai libéré. Vous ne pouvez pas être aussi ingrat. Ingrat, tu es fou. Les esclaves n'ont pas de gratitude, pas pour leur libérateur. Écoute, à l'intérieur de ma bouteille, pendant les 1000 premières années de prison, je me suis juré de faire don à celui qui me délivrerait de toutes les richesses de l'univers. Mais pendant le second millier d'années, mon esprit n'a inspiré qu'à la vengeance sur tous ceux qui vivaient, qui étaient libres. Et je me suis juré de tuer celui qui me délivrerait pour assouvir cette haine. Est-ce que tu es prêt? Attendez! Je vous en prie, avant de mourir, puis-je... Puis-je vous poser une seule question? Pose-la. Comment se fait-il que vous, qui êtes aussi grand qu'une montagne, ayez pu pénétrer dans cette bouteille que je peux tenir dans ma main? Vous n'avez jamais vraiment été dedans, n'est-ce pas? Mais si, j'y étais. Oh non, vous n'y étiez pas. J'y étais. Vous n'y étiez pas. Tu oses en douter? Si je dois mourir dans un instant, je puis oser n'importe quoi. Et je dis que c'est impossible. Impossible? Et je ne vous crois pas. Prends garde. Je ne vous croirai jamais. Jamais? Rien ne peut m'y faire croire. Oh, rien? Non, rien. À moins que je ne le voie de mes propres yeux. Alors, chien d'incroyant, avant de mourir, tu vas voir qu'avec moi, rien n'est impossible. Tu verras. Et tu croiras. Eh bien, pauvre outre gonflé de vent, qu'en dis-tu? Uniquement parce que tu étais plus grand que moi, tu as voulu jouer au tyran. Oh, produit d'une bouffissure descendant d'une fumée puante, te relâcher. Je m'en vais rejeter ta bouteille à la mer, et cette fois pour toujours. Que dis-tu? Répète un peu. Mon grand et secourable maître, relâche-moi et j'exaucerai trois de tes souhaits. Trois souhaits? Les trois premiers souhaits seront exaucés. Tu le jures? Je le jure. Sur le roi Salomon, maître de tous les génies. Sur le roi Salomon, maître de tous les génies. Le tyran qu'aucun esprit ne peut briser. Et tu seras sage, plus de menaces ni de cris. Non. Non qui? Non, mais... Et ne recommence pas à faire tant de bruit. Tu m'as effrayé tout à l'heure. Voilà qui est mieux. Tous les tyrans doivent finir par être polis. Je meurs de faim. Je ne peux pas réfléchir l'estomac vide.
Je souhaiterais manger quelques-unes de ces saucisses que maman faisait si bien. Des saucisses, mais... Premier souhait, mais tu en as deux encore. Lesquels? Ne me bouscule pas! Il faut que je sois prudent. Encore deux. Sais-tu ce que je souhaite? Dis-moi où est mon ami Ahmad. Maître, pour savoir cela, il faut regarder dans l'œil qui voit tout. Alors donne-moi cet œil. Je peux t'emmener là où il est, mais même moi, je ne puis le voler pour toi. Voler? Ha, j'en fais mon affaire. Petit Fafaron, qu'as-tu volé jusqu'ici? Que n'ai-je pas volé? Une clé à sa serrure, une bague à son doigt, de l'argent hors d'une bourse, la force d'un génie! Et la lampe d'un menteur! Mais celui qui volera l'œil qui voit tout sur le front même de la déesse ne devra pas être un voleur, ni un vendard, mais un héros! J'ai toujours voulu être un héros! En route! Accroche-toi à mes cheveux. Très bien. Mais attention, ce n'est pas encore mon second souhait. En ce moment, c'est moi qui t'aime, plutôt. Oui, maître. Génie, j'ai un peu peur. Notre héros. Tout va bien, maître? Bah, je le crois. Où sommes-nous maintenant? Au-dessus du toit du monde. Est-ce que le monde a un toit? Évidemment. Supporté par 7 piliers. Et ces 7 piliers reposent sur les épaules d'un génie dont la force est inimaginable. Et ce génie se tient debout sur un aigle. Et l'aigle sur une balle. Et la balle sur un poisson. Et le poisson nage dans la mer de l'éternité. Sur le plus haut pic de la plus haute montagne du monde, là où la terre rejoint le ciel. C'est là que s'élève le temple de l'aurore. Et dans la grande salle de ce temple se trouve la déesse de la lumière. Et au fond de la déesse resplendit l'œil qui voit tout. Fanfaron, montre-toi un voleur et un héros tout ensemble. Thank you.
Thank you.
Et voici l'œil qui voit tout. 2000 ans s'écouleront avant que la déesse en ait un autre. Et ainsi, 100 générations d'hommes vivront sans qu'elles sachent rien de leurs actions. Veuille savoir maintenant ce qui est arrivé à Ahmad. Regarde. Regarde bien. C'est vrai, c'est Ahmad. Second souhait, mène-moi vers lui. Entendre, c'est obéir, petit maître de l'univers. Tiens bon, mon petit seigneur, il va nous falloir traverser la moitié du monde. C'est moi, Abou. Abou. Dépose-moi. Dépose-moi doucement. Grand maladroit de propre à rien. Abou. Qu'Allah me pardonne, mais c'est un vrai génie. Oui, il est à moi et je suis son maître. Je suis ton maître, n'est-ce pas? Entendre, c'est obéir, ô maître. Il m'a amené jusqu'ici et il va nous emporter. Pourquoi s'esclave-t-il aussi fort? Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, ne t'inquiète pas. Il a les oreilles un peu loin du sol. C'est le plus ennuyeux. Il faut crier de toutes ses forces. Hé, hey, toi, là-haut! Qu'est-ce qui te réjouit tant? Ma liberté qui est toute proche. Fais-nous sortir de cette crevasse. Ton troisième souhait? Non. Pas encore. Il est grand, mais il est malin. Il faut que je sois prudent. Nous n'avons plus qu'un souhait. Je n'en forme qu'un seul. Oh, je le connais, celui-là. Ta princesse. Si seulement je pouvais la revoir. Et c'est tout? Je ne veux pas gaspiller un souhait pour si peu. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Regarde bien là-dedans. Là. Concentre toute ton attention, tu la verras. C'est vrai. Celle dont parle la légende. Oui. Oui, c'est la rose bleue qui dispense l'oubli. Quand on respire son parfum, on oublie le passé. Des roses bleues.
exquise odeur. Qui êtes-vous? Je ne sais pas. J'ai oublié. Pourquoi avez-vous souffert? Ai-je souffert? Je ne m'en souviens pas. Il me semble que j'ai été amoureuse. Qui aimiez-vous? Je ne puis le dire. Je ne le sais plus à présent. Je ne peux plus regarder. Il y a des mots pires que la cécité. La connaissance est bien plus terrible que l'ignorance quand on ne peut rien faire. Rien du tout. Pourquoi m'as-tu donné cela? Reprends-le et brise-le en mille et mille morceaux. Je ne l'ai volé que pour t'aider. Tu l'as volé parce que voler t'amuse. Mais sans mes larcins, tu serais mort. Je voudrais être mort. Je souhaiterais ne t'avoir jamais vu. Je souhaiterais être à Bagdad. Je le souhaite aussi. Ahmad! 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 Où es-tu? Où tu le souhaitais, sur la route de Bagdad. Alors, fais-moi sortir d'ici. Tu entends? Je veux m'en aller. Tu resteras où tu es. Tu es un petit malin, jeune maître de l'univers. Mais les humains sont faibles et frivoles. Quand leur estomac parle, ils oublient leur cervelle. Quand leur cervelle parle, ils oublient leur cœur. Et quand leur cœur parle... quand leur cœur parle, ils oublient tout le reste. Ne suis-je donc pas ton maître? Plus maintenant. J'ai exaucé tes trois souhaits et je suis libre. Libre! Ne me quitte pas! Ne m'abandonne pas! Et adieu, petit maître de l'univers! Libre! 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 Tous les souvenirs du passé sont oubliés. C'est moi que vous avez aimé. C'est moi que vous aimez. Et vous m'aimerez toute la vie. Tous les souvenirs du passé sont oubliés. Je n'ai jamais aimé que vous. Celui que j'aime, c'est vous. Et toute la vie, je vous aimerai. Les en prison. Enchaînez-les à des murs opposés. Demain matin, ils mourront de la mort des mille supplices. Thank you.
J'ai échoué, mon amour. Pardonne-moi. Je n'ai aucun regret. Nous sommes ensemble. Et nous le serons le reste de notre vie. Nous ne connaîtrons plus jamais la torture d'être séparés. Et si la mort n'est pas la fin, nous continuerons ensemble. Abou et moi, nous sommes séparés sur une querelle. Je voudrais pouvoir lui dire que j'en suis navré. Abou, mon ami. Adieu. Et pardonne-moi. Non. Je ne veux pas d'adieu. Je l'aiderai. Mais comment? Comment? Si je ne peux le sauver, je ne veux pas voir! Bienvenue, petit prince. Vénérable ami, il y a quelque erreur. Je ne suis pas un prince, mais seulement un voleur. Depuis plus de 2000 ans, nous attendions ta venue. Oh non, vous ne m'attendiez pas, car je ne savais pas que j'allais venir. Je ne sais pas comment je suis venu. Qui êtes-vous, au faiseur de miracles? Et où suis-je donc? Tu es au pays des légendes, où toutes choses deviennent possibles quand elles sont vues avec les yeux de la jeunesse. Nous sommes les survivants de l'âge d'or, ainsi nommé parce que l'or n'y était rien, ne comptait pas plus que le sable sous tes pieds ou les pierres que nous sommes devenus. Comment êtes-vous devenu pierre? Nous fûmes pétrifiés d'horreur par le mal que commirent les hommes quand ils cessèrent d'être des enfants et de croire à la beauté de l'impossible. Mais toutes les fois que le cœur d'un enfant revient vers nous et palpite en nous, nous ressuscitons. Et comme tu es cet enfant, tu deviendras mon successeur. Maintenant, viens avec moi. Et je vais te faire cadeau des deux emblèmes de la vraie royauté. Ah, les voilà. N'emploie cet arc que contre l'injustice. Tu es sûr de faire mouche. Oh non, père de toutes les bontés. Je n'en veux pas. Je ne veux pas devenir roi. Tout ce que je veux, c'est sauver mon ami. Mais cet arc t'aidera. Prends-le. Maintenant, je te rends hommage, car tu es roi. Et tout dans notre royaume t'appartient, excepté ce tapis que je garde pour moi. Car c'est sur ce tapis qui vole quand on lui ordonne tapis vol, que j'irai au paradis quand ma dernière heure sera venue. Il est
dit, bien qu'Allah soit plus sage et plus miséricordieux, qu'il y eut dans le passé le plus reculé un roi parmi les rois, grand maître des armes et des armées, des vassaux et de tous ses alliés. Et ce maître du temps et du peuple se montrait un tyran impitoyable. Et la terre était comme de la poix sur le visage de ses sujets et de ses esclaves. Et ils gémissaient ensemble en secret et étaient mis à mort sur la place du marché. Mais un sage parmi les sages de Bagdad les consolait avec une prophétie disant « Quand les temps seront mûrs, un libérateur descendra parmi vous. Voici à quoi vous le reconnaîtrez. » Je sais que tu n'aimes pas beaucoup le vol. Je ne volerai plus jamais. Tu peux m'en croire. Rien que cette fois encore, juste ce petit tapis pour arriver à Bagdad à temps. Quand l'heure du vieux roi sera venue, il n'aura pas besoin de tapis pour voler au paradis. Alors toi, ou Allah, tu le prendras par la main, gentil et bon comme il est. Il le mènera à la félicité éternelle. N'est-il pas vrai? Mais il faut que j'aille à Bagdad pour sauver mon ami. C'est une question de minutes. Tu sais cela? Oh Allah, Seigneur de justice, laisse-moi faire. Tapis, vol! Attends. Tapis, vol! N'ouvrez-vous pas les yeux. Il vous reste peu de temps pour le voir. Et le peuple s'écria, c'est bien dans les nuages qu'il nous faudra le chercher. Car si les grands de ce monde sont impuissants à nous délivrer de ce tyran, comment un homme de rien le fera-t-il? Et celui qui savait lire dans les étoiles répondit, ayez la foi, croyez en Allah, car un jour, dans l'azur, vous verrez un jeune garçon, le plus humble entre les humbles, monter sur un nuage. Mais le nuage sera aussi solide que les collines sous la neige. Et du haut de la voûte céleste, il transpercera le tyran avec la flèche de la justice. Thank you.
Je dois mon pouvoir à Abou. Et quand il aura atteint l'âge d'homme, il sera mon grand vizir. Il va être envoyé dans la meilleure école de Bagdad. Et les plus grands savants de l'Orient lui enseigneront toute la sagesse du monde. Il deviendra le plus sage des mortels. Et dans les jours à venir, quand il sera comblé de savoir, de science, de dignité, il resplendira comme un exemple pour les jeunes gens de Bagdad. Et ils se rappelleront comment le petit voleur est devenu le très digne. Hé, hey, Abou, où donc t'en vas-tu? Non, ce qui te manquait maintenant. Moi, je vais à la recherche de ce qui me manque. Quoi donc? La féerie et l'aventure véritable.